Bonjour et bienvenue sur la chaîne des murmures de Gaïa. Alors cette fois-ci, on va faire un deuxième unboxing. Donc ça c'est le deuxième jeu que j'ai reçu aujourd'hui, en même temps que les Lily. Donc c'est, je sais également ce que c'est, comme le nom est marqué dessus, de la personne qui me l'a envoyé. Et voilà, c'est My Sweet Oracle. J'ai mes paquets de partout là. Hop. Donc c'est le jeu d'Angel Taina. Donc c'est son tarot. Alors, nous avons un petit cordon rose. Nous avons une petite étoile avec un merci et une lune. Et des petites étoiles en déco. Hop. On va les pousser, les petites étoiles. Je vais remonter un chouï. Voilà. Donc c'est un pochon en velours rose. Alors, comment il s'ouvre? Faut l'enlever, ça? Oui. Bon, ça va, c'est pas trop serré. Ça, j'aurais galéré. Hop, hop, hop. Hop là. Oula. Alors, attendez. Moi, je vais l'ouvrir. Puis je vais serrer. Suis-je bête? J'ai les filles qui sont coincées. Voilà. Hop, on va le resserrer quand même. Je voudrais garder la petite lune. Voilà, comme ça. Le velours est bien épais. Hein. Ça, c'est du solide. Ah, j'ai une pierre. Ah, encore une étoile dedans. La pochette. Donc ça c'est une pierre de lune qui est un peu saumonné. Là ça se voit peut-être pas trop. J'ai des problèmes avec mes yeux, ils voient pas très bien alors. Moi bon, je la vois un peu saumon quoi. Donc me revoici. Alors, je vais le couper comme ça, parce que si je décolle, j'ai peur que ça m'abîme le carton. Hop là, voilà, nickel. Donc ça, c'est le My Sweet Oracle, donc la première édition. Le 2 sur 50, ah oui, je croyais que c'était 2150, oh. On a vendu beaucoup. Le 2 sur 50, ouais, c'était une édition limitée à 50 exemplaires. Donc celui-ci, c'est le grand format. Elle a fait également la version deluxe de ce jeu, dans une boîte, avec des tranches argentées, je crois. Je ne sais plus comment... Moi, ouais, je crois que c'est argenté, je ne sais plus. Donc la boîte est toute simple. Hein. Alors, je ne connais pas trop encore ce jeu-là. J'ai vu quelques illustrations, mais pas toutes. Donc, les terres. Les cartes sont un peu fines, mais bon. Il faut dire que c'est le même grammage que l'éléphant de paprika.
Sauf que là, comme les cartes sont plus grandes, du coup, ça paraît un peu plus fin. Voici le dos. Les tranches sont blanches. Alors, on va faire comme ça sera plus pratique. Alors, ça, c'est l'élément. Donc, on avait l'éther, l'élément eau, le feu, l'élément air, l'élément terre. Alors, énergie féminine, énergie masculine. L'univers, l'ombre, dernier croissant, le dernier croissant de lune, le dernier quartier de lune, la gibbeuse décroissante, la pleine lune, elle rayonne celle-là. La gibbeuse croissante. Là, vous avez toutes les phases lunaires. Le premier quartier. Le premier croissant. La lune noire. La reine des cristaux. Sororité. Donc, Nat, elle a fait ses illustrations elle-même hein, au crayon. Harmonie. Splendeur, curiosité, l'enfant, cycle, l'envol, totem, rituel, rêverie. Ça, c'est le dessin de son chat. Je sais plus lequel c'est. Comme elle en a plusieurs, expression, liberté, avec le signe fini, amour, passion, gourmandise, la chamane, le stress, elle est en train de se manger les doigts, sensualité. Ah, c'est Pamela. Nostalgie. L'impératrice. Alors, on peut reconnaître Sissi, là, quand même. Hein. C'est ressemblant. L'éveil. La sirène. Mère nature. Fière d'être moi. Voilà une tache sur le nez. Le blues, le blues, le blues, le blues. La lumière des fées. Magie avec la licorne. Alors, recette de My Sweet Oracle. Un peu de réconfort, une pincée de joie, un nuage de douceur, un soupçon de magie et un brin de poésie. Amour et lumière, Nat. Ah, j'ai commencé par la fin, moi. My Sweet Oracle, le doudou deck des filles, première édition limitée, à 40, 44 cartes. Voici. Donc, lorsqu'on commande le jeu, on reçoit, au moment de l'expédition, un PDF. Donc, moi, je l'ai reçu il y a quelques jours, lorsqu'elle a envoyé les jeux. Et donc, j'ai imprimé le PDF. Voici le PDF. Nous avons des tirages. Et ensuite, on a les explications par... Donc là, c'est une carte. Vous avez ça comme explication. Et ensuite, vous avez également des mots-clés, des mots doux. Comme elle le nomme dans ce PDF-là. Ensuite, pour les phases lunaires également.
vous avez un petit conseil, le conseil de la Lune, par rapport à la phase dans laquelle elle est. Si vous avez sur les cartes des éléments, les cartes énergie, donc la carte féminine, masculine, l'univers. Alors on va regarder, je vais vous lire une explication d'une carte au hasard. Moi j'aime bien les grandes cartes. Vous devez le savoir maintenant. J'ai de grandes mains. Les petites, moi, elles tombent tout le temps, quoi. J'arrive pas à les tenir. Alors, la reine des cristaux. Tiens donc. Alors, la reine des cristaux. Je vais la trouver dans quoi? Alors, parce que j'ai pas regardé du tout le PDF. Je l'ai mis dedans et... La reine des cristaux. Donc, c'est dans... Les cartes Sweeties. Alors, la reine des cristaux, la reine majestueuse dans sa robe d'or et de soie, est irrésistiblement attirée par ses pointes d'améthyste géante. Elle tend la main pour sentir la puissance et les bienfaits des cristaux. La pleine lune éclaire cette scène magnétique. Notre belle reine ouvre pour toi les portes du monde des cristaux et des pierres. Elle te rappelle que la nature est pleine de ressources et que tu peux trouver le réconfort et soulager tes maux grâce à la cristallothérapie et autres médecines douces. Les cristaux sont dotés de multiples propriétés et t'aideront à alléger tes souffrances émotionnelles, à éclaircir ton mental et à adoucir tes douleurs physiques. Mots doux. Alors les mots doux, c'est les mots clés en fait. Cristaux, cristallothérapie, médecine douce, soins, soulagement, guérison, ressources naturelles. Donc voici. Donc si ce jeu vous intéresse, c'est jusqu'au 15 novembre, je crois qu'il est en vente pour l'édition Deluxe, donc qui est dans une boîte et avec. Enfin, c'est un format plus petit par contre, hein, il n'est pas aussi grand. C'est un pocket. Donc dans une boîte, il est tranche argentée, il me semble bien. Donc voilà, vous pouvez aller sur son site, que je n'ai pas d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est marqué là-dedans. Enfin bon, vous allez sur sa chaîne, sur Angel Taina. Elle a fait une vidéo pour la prévente de ses jeux. Il y a quelques semaines maintenant. Voilà, donc il est encore en prévente jusqu'au 15. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours le précommander. Voilà, bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine.